Bruno a laissé surgir en lui un désir, une aspiration à consacrer sa vie à Jésus-Christ pour, avec Jésus-Christ, révéler le Père éternel. Et il a répondu, comme nous tous, quand nous sommes appelés par Dieu, quand nous découvrons au fond de nous-mêmes une zone où Dieu nous parle, où Dieu nous appelle, il y a des peurs qui se manifestent. Parce qu'on peut avoir peur de ce à quoi Dieu voudrait nous appeler. On veut prier, on veut faire la volonté de Dieu, mais on a un petit peu peur de... Si jamais il me demandait d'être prêtre, là, ça, là. Alors, il y en a, c'est... Le célibat, là, c'est pas... Si jamais il me demandait ça, « Seigneur, je suis prêt à tout faire pour toi, mais pourrais-tu m'appeler à d'autres choses? » Et peu à peu, Bruno a voulu répondre, a entendu cet appel et a voulu répondre à cet appel. Oui, je peux. Et Bruno a voulu faire ce geste de foi. Ce n'est pas un geste à l'aveuglette, c'est un acte de foi. Un acte de foi en la présence de Dieu, en la bonté de Dieu, le Père, en la grâce de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais par la grâce, Seigneur, par ta grâce, je sais que je vais y arriver parce que c'est toi qui vas faire ton œuvre en moi. C'est pour le Christ qu'il est prêtre, mais que fait le Christ? Il donne sa vie pour nous tous, pour l'humanité, il donne sa vie pour vous. Et c'est ce que Bruno veut faire. En donnant sa vie au Christ, il veut donner sa vie pour vous. Pour manifester la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, pour manifester que quand quelqu'un rêve d'un bonheur éternel, ce n'est pas une illusion. Rendons grâce à Dieu pour son œuvre, qui est son œuvre de salut, qui nous fait toujours redécouvrir la bonté du Père, qui nous fait toujours redécouvrir la grâce de Jésus-Christ, qui nous fait toujours, nous rend toujours de plus en plus disponibles à l'œuvre de l'Esprit-Saint, qui vient nous faire participer à la vie du Christ, à la vie d'enfant de Dieu, et qui nous envoie en mission pour que l'amour de Dieu soit connu.